Bonjour, bonsoir tout le monde, qui j'ennuyé. Nous comptons nous encore aujourd'hui dans nos nouvelles vidéos. Mes amis, nous allons parler de Big Banane, mes amis. Dans la vidéo, ça, je dis, nous allons répondre à nos questions ça, que un peu le monde tout a posé. Est-ce qu'il y a un monde qui fait maladie sick, ça veut dire un monde qui est diabétique, qui a mangé Big Banane? Et nous avons un bonus sur nous, oui. Dans le bonus, qui ça nous allons, mes amis, nous allons répondre à nos questions ça. Est-ce que yon moun ki mange fig banane sa ka fait que moun sa li vin gros, ça li di que le ka grossil? Deuxièmement, tout nous ka répondre question ça. Est-ce que yon moun ki gen problème insuffisance rénale, ça veut dire gen gros problème rein, ka mange fig banane? Et puis nous gen un petit conseil aussi plus pour moun ki diabétique en rapport avec banane fait. Les amis, pas aller non, retavenn juste en fin vidéo. Pour le monde qui fait regarder nous dans l'émission, ça, non, moi, c'est l'UNI La Bonté Valdemar. Moi, c'est un professeur de biologie dans l'Université d'État d'Haïti. Mes amis, comme nous connaissons déjà, éducation santé, c'est émission pas nous. Émission, moi, m'était souhaité pour aider la population, ou bien la communauté haïtienne, non, à tout le monde qui comprend le créole, et bien, pour être capable de bien prendre soin de santé. Pour qui ça, amis, parce que même j'ai quelque chose à faire pour nous connaître, et bien, manger que nous mangeons, ça n'a pas introduit en dedans. Nous avons besoin de connaître une façon pour nous capables de vivre en santé. Parce que j'aime toujours dire ça, santé nous qui vaut chita, dans l'assiette nous. Même j'en trouve maladie nous, chita dans l'assiette nous. C'est pour ça que je demande nous, car continuez à supporter nos émissions, mettez un like et nous continuez à partager l'information. Mes amis, il y a une pile question sur les choses que nous mangeons. Ça fait jeudi, nous allons parler de fig banane qui sont mangées que nous consommons en pile et nous allons voir comment que nous devons consommer pour nous capables de bien profiter de lui. Mes amis, tout pendant que nous mangeons, quand nous mangeons cuisine, ça yo, qui déjà mangé ça, mangez cuisine que nous eh bien, nous devons être healthier. Ça veut dire que nous devons être capables de nous en santé pour nous gagner une bonne santé. Nous allons commencer jeudi, nous allons parler de fig banane, mes amis. Mes amis, qui est le monde qui par contre fig banane? Hein? Bon, c'est tout le monde dans le monde qui connaît fig banane. Donc, avant que nous arrivions à répondre à nos questions, nous avons posé sur fig banane. Il est bon pour nous connaître, mes amis, quelques bonnes informations sur fig banane qui valent nutritionnelle, qui sont le monde qui a joué dans fig banane, les consommer, fruit ça. Mais justement, comme nous toujours fait ça, on s'est histoire de origine. Et plantes aux fruits que n'a pas les fig banane qui ont été sorti et bien d'après recherche qui fait que fig banane sorti dans Asie Sud-Est dans pays comme Malaisie Indonésie etc. Et non scientifique parce que c'est non ça qui reconnaît qui permet de reconnaître plantes là il y a le musa et avec différentes espèces donc musa c'est non genre parce que il y a différentes variétés non et banane non femme c'est nous qui a environ 1000 variétés banane que yo consommer mais yo divisé en deux catégories OK dans premier stand et deux catégories gen ça relé banane dessert là OK banane douce nous même nous le fig banane et puis gen ça relé banane pure cuite là même nous le plantain donc banane nous bouille pour nous cuite donc je dis à nous parler plus chita sur fig banane donc et fig banane regardez là mes amis sont gros posé il est tellement intéressant yo relé li et super food. Les autres sont aliments super food, ça veut dire qu'ils ont un paquet de nutriments, par exemple, qu'ils donnent l'eau manger, ils vraiment aider le corps. Donc, c'est pas n'importe quoi à manger, mais sans manger, l'eau manger en fig, ils vraiment aider le corps. Donc, nous allons commencer, ouais, quelques bagages qui viennent dans fig banane en termes d'éléments nutritifs. Ok, les amis, bien, dans fig banane, nous allons commencer à citer pour nous toute quantité de bagages que nous jouons dans en fig banane. Premièrement, fig banane n'a pas de l'eau là-dedans. OK? Donc, c'est ça que fait. Si on a besoin d'hydrater par gain de l'eau ou mangeons fig banane, eh bien, la aide corps, la hydrate corps. Les gains là-dedans, protéines, c'est pas en pile 1,06 g ou 100 g de fig. Nous gagnons lipides, les pas en pile lipides. L'enzyme lipide, c'est graisse. OK? C'est pour un fruit qui gagne graisse là-dedans. Les gains tout glucides, ça n'a pas brûlé sucre. Les gains 19,7 g ou 100 g de fig. Et puis, il y a tout ça, il y a les fibres, il y a les sucres qui partent dessus, mais il y a ça, dans une vidéo que j'ai fait, c'est pas sucre, tout sucre qui est douce. Et mes fibres eux-mêmes, mais pourtant, pile pour quoi, il y a 2,7 g de fibres là-dedans. En plus de ça, mes amis, fig banane, il y a tout vitamine, il est chargé avec vitamine 9, c'était pour nous,
quelques vitamines. Les bêta-carotène. Bêta-carotène, c'est les palvin bon. Et vitamine A, nous avons vitamine B, différentes vitamines B, il y a B1, il y a B2, il y a B3, il y a B5, il y a vitamine B6, il y a vitamine B9, tout ça, oui, dans le ballon. Nous avons tout vitamine C, et quand nous ne connaissons pas ça, et bien, fruit banane, non. Banane en général, garantit vitamine C. Par exemple, nous avons 7,16 g vitamine C, et pardon, 7,16 mg vitamine C pour 100 g de banane, non. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire. Des fois, si on a un petit problème de stomac fragile avec vitamine C, eh bien, l'on mange une banane pour 400 secondes, c'est le stomac qui fait mal. Donc, c'est parce que, eh bien, il y a une vitamine C là-dedans, et ça fait qu'on connaît qui j'en pour manger. N'accepte toujours, mes amis, vitamine C, il y a une vitamine E, tout, une vitamine E bon pour peau ou cheveux. Il y a tout minéraux. Dans minéraux, on a cité il y a calcium, mes amis. Oui, calcium, nous connaissons ça, il est bon pour les os. Les gains chlorure, les gains cuivre, les gains fer. Ah oui, fer, mes amis, mon petit anémie. Les gains iode, les gains magnésium, qui c'est des calmants, les gains manganèse, les gains phosphore. Les gains pile phosphore, les gains 29 mg pour 100 g de figue là. Les gains tout potassium, les gains pile potassium, 320 mg. Et c'est une bagaille que nous parlons. Et potassium, nous allons aider au monde dans la santé cardiaque, les gens qui ont un problème de cœur. Eh bien, figue banane qui va aider la cause de potassium que nous avons dedans. Et n'abstenez pour nous toujours mes amis, ligain tout ça relé sélénium, ligain potassium et puis ligain zinc. Ça c'est pour nous tester quelques éléments vitamines qui gagnent dans figue banane. Donc c'est pour ça figue banane tellement intéressant. Il dit toute qualité monde qui a mangé. Si monde qui a mangé, grand monde qui a mangé, monde qui a fait sport mes amis, qui a mangé figue banane. Parce que l'on mange figue banane ou je nos sources de sucre, hein, sucre là dedans qui est rapide. Il y a des fois, non seulement j'ai un sucre en tout, mais où j'ai tout l'autre élément ça. C'est pas même j'en prends un sucre comme ça, parce que l'autre sucre comme ça, c'est seulement le sucre qui la donne. Vous voyez les bagages ça aux calories vides, ça veut dire pas porter un ken l'autre vitamine pour vous, c'est seulement calories qui pas bon qui va le faire grossir. Et puis tout, quand on des sucre. Et l'autre bagage qui est intéressant que j'ai trouvé dans les vitamines et dans la figue banane, je dis que les gens ont fait rassasiant. Les gens ont fait rassasiant, ça veut dire. Sou manje li ou sans sou rassasié. Gen moun sou pa vle manje on pil bagay pou kembe kòk ou juste manje fig banane nan et puis la kembo parce la fò pa se tou pral anvi gran pou kouri al manje. Yon bagay rapide. Donc ça c'est quelques bagay que nous cité et sou fig banane nan. Yon bagay tout kèl gen ki vraiment intéressant, li gen san rele antioxydant la dan. Antioxydant vraiment mwen pati el plusieurs fois nan vidéo nou li important en pil pou cellule nan, c'est ça pral empêcher cellule la vini vieyi. La permettre de gagner une belle peau et puis la combattre vieillissement. Donc ça c'était quelques bagages mes amis, nous citer pour nous. Quand nous allons citer pour nous, bien fait que nos jeunes les nous manger. Mes amis mieux, j'en ai déjà dit ça, on a continué avec figue banane non. Donc allons citer pour nous quelques bienfaits mes amis d'après recherche que j'ai fait sur figue banane que les nous manger figue banane, les nous consommer figue banane, les capables porter. Pourquoi nous bien pour santé nous mes amis, continuez partager la vie, encouragez moi partager et vidéo ça que n'a fait là. Alors, n'a commencé. Et j'aime décider déjà tout à l'heure, il y a un pouvoir hydratant, ça veut dire l'on mange figue banane, le fait que le gain de l'eau là hydraté quoi. D'après, je cherche que faire ouais que l'on mange figue banane est à cause son petit verre d'eau côté quand l'on mange figue banane. Donc la prendre corps, sous pas joindre de l'eau, ça va les ou pas de boire de l'eau. Et bien au cas qu'il y en attendant avec figue banane. Je dis figue banane n'a permet pour être en forme l'on manger. Il est capable aider et qu'on a une bonne pression sang, ça veut dire ça n'est les pressions artérielles là ou bien tension. L'on mange figue banane, il permet que tension reste stable. Et ça qui est intéressant, il permet mon dire un problème tension retour pour que tension soit capable baisser pour rester dans un niveau stable. L'autre bagage que nous dit toujours que nous citer comme bien faire, il est bon pour santé os. Parce que pas bien nous décider de calcium qui vient là-dedans. Donc pour monde qui besoin d'un bon os et bien capable consommer figue banane. Li bon tout pour santé musculaire, muscle. Nous devons avoir un sodium là-dedans, tout ça capable d'aider. Li bon tout pour système nerveux, pour un bon système nerveux. Et pour ça, li capable d'aider le corps. Li aide tout pour un métabolisme énergétique qui est normal. Ça veut dire que manger figue, li gen sucre, mais il n'y a pas trop de sucre. Sucre qui est là-dedans, le modéré. Alors, on a tout ajouté, ce n'est pas figue banane qui est trop mûr, mes chers amis. Parce que comme nous parlons de sa vie devant, plus figue banane dans les murs, c'est plus quand c'est sucre là-dedans, dans les villes augmenter. Et l'autre bagage encore qui fait qu'une carcité comme bien fait pour quoi, hein, il permet que
nous gagnons une bonne digestion. Oui, bonne digestion parce que les fibres qui la donnent, c'est les fibres qui digestent, ça veut dire. Pour capable manger figue banane pas pour problème digestion au contraire la aider pour une bonne digestion et puis il y a mon tout canier problème constipation figue banane à cause et figue qui la donne capable aider mon gérer problème constipation nous t'ai dit ça capable permettre de baisser tension OK il capable aider mon gérer problème anémie parce que nous t'ai dit bien fier la donne donc ça va aller dire sur un problème anémie bon point anémique au pas médecin nous dit nous ça quoi manger figue parce que lors déjà un problème santé qui paraît sous ou doit consulter médecin mes chers amis pour le doux ou bien pour le bon médicament qui vraiment adapté avec vous. Donc là nous manger tant pour aliments fruits ou manger un bien banon des petits bagages qui tout petit pour aider nous être en forme. Mais si ou déjà gain un problème mes amis, les bon pas dire que on juste prend ça pour aider mais alors docteur les salles bon traitement qui adapté en vain et doit finir traitement pour gérer symptômes pour continuer que les symptômes pour manger de manière équilibrée mes amis nous dit manger de manière équilibrée veut dire que ça dans aliment manger dans chaque mangeoire manger faut pour bien trois groupes on va bien lipides on va bien protéines et puis on va bien vitamines donc ça veut dire fruits mes chers amis je recommande vous de manger 5 fruits et légumes par jour 5 fruits et légumes mes amis nous pas gagne monde dans culture pas nous qui pas habitué trop avec fruits avec légumes mais l'important mes amis pour rester en santé pour rentrer ça dans diet c'est pas on le mais pour toujours gagner ça lorsque elle fait market pour toujours gagner fruits pour toujours gagner petit figue nous acheter en façon pour qu'un décor en santé voilà donc de tout profiter de nous ça en passant donc les bon pour anémie les bon tout pour mon dire problème dépression mes chers amis pour qui ça parce que gagne un acide aminé que le jeune dans figue dans que les tryptophan et mais acide aminé ça c'est lui qui permet que quoi produire sérotonine et sérotonine ça c'est le même qui aide à améliorer humeur pour ça pour capable gagne un bon humeur mes amis ça c'est quelques bagages que une capacité pour nous de bien faire et figue la gagne l'on mange un figue mes amis c'est pour bagage qui simple baisse mon figue nu les ouvrages l'école par bah figue dans seulement accompagner avec un bon petit pain en bas hein des valets de et pouvoir m'en bagain puis s'achetant et puis pour être un bon aliment qui plus ou moins équilibré d'accord donc on y en a mes amis parler parce que nous allons répondre à question nous est-ce que monde qui fait maladie c'est qu'à manger voilà nous tenons sur question hein? Nous là avec nous à m'espérer ça est-ce que monde qui fait maladie c'est ou bien monde qui est diabétique qu'à consommer figue banane mes amis nous capable dire que longtemps longtemps on était dit oui fig banane les douces OK yon moun ki fè maladie sucre doit éviter tout bagay ki sucré et yo te kan mete fig banane la dan tout c'est ça que yo te kan di mais d'après dernière recherche que yo fè m'ap cité pou nou c'est pas moi qui vin la information c'est recherche que m'fa de yo et bien ki c'est ouais et bien réponse yo di oui yon moun ki fè maladie sucre li capable manger fig banane mes amis c'est bonne nouvelle ah oui c'est bonne nouvelle an bat bravo pour ça parce que nous trouvons tout bon bagay qui gagne dans fig là donc yon moun l'on manger fig là et bien pourtant pile bagay pour corps et pendant nous dit oui moun ki diabétique ou bien moun ki fè maladie sucre ka manger fig banane mais nous gagne deux bagay nous va dire là qui vraiment vraiment important que m'ta amène nous bien tendre deux bagages pour nous considérer nous-mêmes qui fait maladie sucre nous-mêmes qui pré-diabétique qui pas loin qui borderline tout je rentre de ça ou bien qui pré-diabétique il y a deux bagages pour nous considérer mes amis les n'a consommer figue banane premier bagage là qui ça lié premier bagage là figue banane que n'a consommé hein li pas doit trop mûr li pas doit trop mûr pour qui ça parce que et qui ça remarqué les figues banane n'ont pas trop mûr là dit passer pas bien des figues banane n'a gain sucre là-dedans mais il gain deux qualités sucre il gain fructose il gain glucose mais il gain tout amidon on t'a dit sucre qui pas dessus les figues banane n'ont pas trop mûr qui ça remarqué il gain plus amidon ou bien il gain plus fibre qui complexe par exemple ouais il gain 20% amidon là-dedans qui ça crivait les figues ça vient à mûr et bien quantité amidon bien et sucre complexe les vient diminuer il peut arriver jusqu'à 2 à 3% donc ça veut dire figue dans les douce et nous remarquer ça plus figue dans les mûr et bien les vient plus douce ça veut dire quantité sucre qui disponible en cas de sucre simple les plus et c'est pour ça si vous diabétique ou manger figue mais manger figue qui trop mûr ou venir consommer trop sucre en seul coup mais si vous prenez une figue qui pas trop mûr eh bien, li bon parce qu'elle gagne plus amidon que le gain sucre.
Ça, c'est le premier bagage pour nous considérer. Pas manger figue qui trop mûre, soit acheter figue là pour éviter le trop mûr, pour pas mettre dans le frigidaire. Ça, c'est son façon, c'est une technique. Dès qu'elle commence à mûrir tout, pas éviter les ailes ou même qui fait maladie de sucre. Deuxième bagage pour nous considérer, eh bien, là, manger, pas manger un paquet de figue, pas manger un gros grain de figue, non. Ce n'est pas la quantité qui est importante, mais c'est la qualité. On peut manger un morceau de figue. Après ça, pendant l'autre moment, on peut manger l'autre morceau. Donc, on peut manger un seul couteau de figue pour que l'on ait tout le sucre. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez manger grain de figue, dans la journée, on peut manger sous deux fois. Mais pas un seul coup, pas prendre un paquet de figue. Et l'autre bagaille pour nous considérer comme toi, ajouter l'autre manger figue, on va manger pour compter. J'ai une vidéo en défait pour nous faire maladie de diabète qui montre la façon pour nous manger. Pas manger pour compter, accompagner avec une source protéique. C'est capable de œufs, ok? C'est capable, par exemple, pour faire un œuf bouillon manger avec lui, pour faire un pied à mamba ou bien pistache, ok? Donc, source de protéines avec lui pour équilibrer pour que ce n'est pas sucre seulement pour jeûner et puis depuis le planer, lui monter sucre. Non, équilibrer comme ça. Donc, si nous faisons comme ça, mes amis, nous sommes capables de manger ces figues sans que les va déranger le sucre. Par arrêter, non, nous arrivons dans le bonus de la cunia. Par aller, non, nous arrivons dans le bonus de la cunia. Voilà, même bonus, oui. Ah oui, nous avons une première question, nous avons dit que nous non. Est-ce que les gens mangent figues, ça va faire gros? Et mes réponses, c'est non. Il ne va pas faire gros. Et c'est pour ça, pour être capable de manger ces figues, ça va veut dire que la grosse. Ok? Et toujours, j'aime dire nous, avec modération. Deuxième question qui est vraiment importante. Est-ce que mon dieu a un problème insuffisance rénale? Ok, problème rien. Capable de consommer figue. D'après les recherches que nous avons fait, il y a des conseillers, il y a un qui a un problème insuffisance rénale, surtout si insuffisance est sévère, pour mon nom consommer figue banane. Pour qui ça? Parce que nous avons figue banane, un grand élément, c'est potassium. Eh bien, potassium, ça a que le gain, pas bon. Pour santé moun sa, puisque li déjà gen un problème insuffisance. Problème insuffisance, peut-être que le cas gen trop ou bien trop petit élément sa. Et donc, yo pas encouragé pour moun sa li même li consommer fig banane. Et l'autre bagay que nous tapote pour nous, yon ti plus, yon ti information plus pour moun qui gen un problème et diabète ou bien maladie de sucre. En rapport avec banane verte, ça n'est les bananes plantées. Et bien, qui sa ouè? Yo wè que yon moun qui fait maladie de sucre li capable consommer tout. Banane verte là, li pa gen problème parce que gen étude qui ont fait ouais les moun nan consommer li pa déranger sucre moun nan. Ah oui, ça son bonne nouvelle oui. Moun qui fait maladie de sucre, yo besoin kon ki sa pou manger, et bien capable manger et banane verte là. Au contraire, banane verte là ka améliorer sucre là pou yo. Vous comprenez ça? Au lieu que le déranger, il peut améliorer le sucre. Donc, pour même qui besoin de ça pour manger, qui va rien le matin pour manger, vous faites malade de sucre, bouillon petit banane, un petit jeu bon côté, la vie est un petit cochon, un petit tomate, un petit laitue, mes amis, un petit sauce ensemble. Et puis voilà, ou bien un petit déjeuner, ou manger un morceau de figue derrière, ou bien ou manger un orange, fruits, et puis ou bon. Mes amis, nous avons pris la vie. En pile côté d'arrêter avec nous toujours. Mais nous avons tourné ouais, ouais, dans l'autre vidéo. Tu es vraiment content en pile dans la vidéo ça que ça apprend aujourd'hui que figues sont super aliments. Mes amis, baïti moun yo figues, apprenez à manger figues. Moun kap fait sport, toute qualité moun mes amis, manger figues ou même qui fait maladie sucre qui diabétique ou capable de consommer figues mais pas manger en pile un seul coup et puis pas manger figues qui trop mieux. Manger figues là à peine ni commencer mieux ou capable manger. Et puis l'autre bagage en rendez ouais, pas manger pour compter accompagner avec une source protéine. Et puis voilà, amis, on continue à prendre soin de santé, non? Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Moi, je vous remercie en pile, on va voir dans l'autre vidéo.